Le règlement SFDR, qui est le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers, avec ce texte, le secteur financier doit désormais répondre à des obligations de transparence s'agissant de la responsabilité environnementale et sociale. Concrètement, c'est un outil qui permet de lutter contre l'éco-blanchiment, greenwashing, et avec ce texte, le secteur financier va devoir expliquer dans quelle mesure les facteurs ESG et les facteurs de durabilité sont intégrés dans la prise de décision, dans les décisions stratégiques et dans les décisions en matière d'investissement. Un second texte très important en matière de durabilité, c'est la directive CSRD, qui va en fait bien au-delà du seul secteur financier et qui répond à l'objectif d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises, d'améliorer la disponibilité, la qualité et la comparabilité de ces données ESG. Ces informations qui doivent être publiées au titre de la directive CSRD vont d'ailleurs permettre de répondre aux besoins d'information des acteurs financiers qui sont, comme je viens d'expliquer, eux-mêmes soumis à des obligations de reporting ESG. Les textes européens introduisent ou renforcent les obligations de transparence en matière de durabilité et d'ESG. Cette transparence, elle porte non seulement sur les activités de l'entreprise ou du groupe, mais également sur l'environnement plus global de l'entreprise et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les fournisseurs, les sous-traitants ou encore les clients. Si CSRD concerne à titre principal les grandes entreprises, donc les sociétés cotées, les entreprises de taille intermédiaire, ce texte va également impacter l'ensemble de la sphère économique et ce, indépendamment de la taille des entreprises. Donc l'ensemble des entreprises qui contractualisent ou qui se financent auprès des différents acteurs concernés par CSRD et par SFDR vont être concernés. L'impact de ces réglementations est donc potentiellement très large. Le tissu économique va devoir anticiper les ressources, les besoins en savoir-faire pour évaluer, apprécier et intégrer la durabilité. Ces évaluations de durabilité des entreprises, de leur empreinte carbone, vont pouvoir être accompagnées aussi de trajectoires d'amélioration. Donc, il va falloir s'attendre à des impacts opérationnels importants au fur et à mesure que ces nouvelles normes sont intégrées dans le mode de fonctionnement des entreprises pour contribuer davantage à la transition écologique. Ces changements réglementaires vont également être source d'opportunités en facilitant l'accès au financement public ou privé ou encore en facilitant l'accès à la commande publique ou privée. Il est donc dans l'intérêt de toutes les entreprises de bien comprendre ces enjeux, de s'y préparer afin de saisir les opportunités qui en découleront.